Le 2, c'est une boulangerie. Le 6, c'est un brocanteur. Le 12, une charcuterie. Le 16, un marchand de couleurs. Mais je me fous de la boulangère. Je me fous du vieux brocanteur. Le charcutier m'indiffère. Je suis froide dans le marchand de couleurs. Y'a que le 27 qui m'intéresse. Pour mon cœur, c'est la seule adresse. C'est là qu'habite Victor, ma faiblesse. Du trottoir, je peux voir sécher ses mouchoirs. Que cette maison-là m'est chère. Que j'aime sa porte cochère. C'est bête, je sens mon cœur qui s'arrête net devant le numéro 27. Je sais qu'au rez-de-chaussée habite un petit bossu, un professeur de lycée, loge à l'étage au-dessus. Au troisième, c'est un notaire, à droite, un vieux général, à gauche, un vétérinaire. Mais tout ça m'est bien égal. Y'a que le septième qui m'intéresse, y'a qu'au septième qu'il y a de l'ivresse. C'est là qu'habite Victor, ma faiblesse. Du bas de l'escalier, je vois son palier. Je grimpe en courant 4 à 4. Victor m'attend prêt à s'ébattre. Mon âme sœur n'a pas d'ascenseur, je suis en âge. Quand j'arrive au septième étage, il a dans sa petite chambrette des tas d'objets de valeur. Marie-Antoinette et des femmes nues en couleur. Et puis deux fauteuils rustiques, un poisson dans un bocal, un presse-papier à musique et puis le sabre d'un amiral. Mais y'a que le lit qui m'intéresse. C'est un lit des galeries Barbès. Faiblesse, la luxure insensée me laisse glacée. Y'a qu'une maison qui m'intéresse. Y'a qu'un étage où y'a de l'ivresse. Y'a qu'un lit dans Paris. Mon ami m'attend là-bas, au 27 rue des Acacias.